Et yo tout le monde, c'est LesGamer54, on se retrouve pour un nouveau let's play que... Normalement je vais vous faire la surprise, mais sauf qu'on a été spoilé un petit peu bien avant le commencement. Du coup on est bien sur Dead Rising 4, évidemment qu'on fera en coop, sauf l'introduction il faut faire en solo comme la plupart des jeux Dead Rising. Du coup je suis toujours en compagnie de monsieur Zayzay, juste 5T, salut à toi. Ouais, salut les Zayzay, comment que ça farte, Delga. Du coup, magnifique intro. Du coup, on va faire le mode, on va faire le mode histoire, évidemment, de Dead Rising. On va pas platiner parce qu'il y a 103 ou 105 trophées. Du coup, c'est molle. Du coup, je vais jouer avec la manette. Je pense que monsieur Zayzay va jouer avec la manette aussi. Bah oui, bien évidemment. Alors, du coup, tu m'avais dit, il faut faire quoi? Il faut mettre le mode histoire. Oui. Ah, purée, c'est. C'est quoi Vendredi Noir de chez Noir? Ça veut dire c'est... Ouais, c'est... Ouais, bah je vais être en mode normal, hein. Et le prologue s'appelle Vieux Cauchemar. Alors j'ai mis le jeu en français, ça veut dire qu'on aura les voix en français. Ça, c'est cool, parce que je sais que le 1 et le 2 sont en anglais. Ouais, maintenant je me tais. T'as lancé toi, monsieur Zayzay? Ouais, en train de taper des zombies. Hey, qui va là? Allez, Franck! Oh! Allez, c'est parti! Bon, le début, je le connais déjà parce que je l'ai déjà joué une fois sur la PS4. Et après, c'était pas mon délire. En fait, j'aimais pas beaucoup de ce jeu, c'était un peu différent des autres. Après, jouer en solo. Vaut mieux jouer avec ses amis, quoi. Et je pense que M. Zayza, il serait d'accord avec moi, hein. De quoi? Que vaut mieux jouer avec ses amis ou à des résines que jouer en solo. Ouais, c'est mieux, c'est... Bon. On va continuer à suivre le fantôme, là. Franck West, souvenez-vous de ce nom parce que le monde le connaîtra. Alors là on a les... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, j'adore ça. Montre les différentes armes qu'on peut avoir dans le jeu, évidemment. Alors, on va partir comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, Franck? Oh. On a envie de me croire, parce que je suis Franck West, parler. Je suis un putain de héros. Wow. Ouais, je sais, c'est pas ma meilleure interview. Pardon, je passe. Suis ta destinée. Ok. J'ai des millions de fans qui savent que je dis la vérité. Ouais, je me suis fait tromper de 4 ou 6-0. Et alors? Pardon, pardon, je passe. Vas-y, lance-toi. Oui, la mère était un commenté, tu gâtes ou pas? C'était les fédéraux. Bon, je vais essayer un peu écouter un peu les paroles, hein, évidemment. C'est pas bientôt fini, j'en ai assez vu comme ça. T'es toujours à l'intro? Hein? T'es toujours à l'intro? Ouais, ouais. Ah, j'ai gagné un trophée déjà de combo, ça se voit. Bon, un peu avec des zombies, les amis, ça fait un peu du bien aussi, un peu. Bah écoute, tu t'es assez amusé comme ça, hein? Je peux partir maintenant? «
Et il y a une cinématique maintenant. Affaire 0, voilà. Là, j'y suis à la mission Affaire 0. Ah, t'as vu la cinématique après. Ah, c'est bon, Affaire 0 aussi. Nuit au mini-golf. Ça, donc, c'est bon. En gros, on fait ça et après, on pourra jouer ensemble. Ok. Du coup, bah, j'espère que ça va vous plaire ce nouveau let's play, les amis. J'en recevais une médaille du président, mais en allant lui serrer la main, j'ai noté. Dans le cou ? J'ai buté. Vous avez frappé le président par surprise dans le cou ? Ça te plaît de me faire passer pour un con, hein ? Tu devrais bosser pour la presse à scandale. Je vous emmerde. Oh, autant pour moi, sujet sensible. Mes parents ont été tués par des paparazzi. On va où, au fait ? Du calme, écoutez-moi. Tu m'avais dit qu'on allait au mini-golf. Non, mais franchement, professeur, vous n'aviez quand même pas gobé un truc si gros. J'adore le mini-golf. Ouais. Bon, écoutez. Il y a une base militaire secrète. Oh, pitié, pas encore une de ces conspirations d'Internet. C'est du sérieux. Ils mènent des recherches scientifiques illégales. Faites demi-tour. Des expériences sur l'homme. Faites demi-tour maintenant. Franck, arrêtez, Franck. Après les cours, est-ce que j'avais l'air de vouloir retourner à Willamette? Tout ira bien. Faut se détendre, là. Ouais, c'est ce qu'on dit à mon oh, c'est vous qui dites toujours que je prends des photos pourries avec mon téléphone. C'est le cas. Alors, qui de mieux qu'un photographe mondialement reconnu pour m'apprendre? C'est mon appareil. Ouais, il traînait dans votre placard. Fermez à clé. Fermez vite fait. Écoutez. Ma source parle d'un défilé de sacs mortuaires. Bon, pour le moment, t'as une cinématique, les gars, je reviens. Un site de missiles abandonné. Franck, vous n'allez quand même pas dire non. Franck, c'est notre chance. Je vous en prie. Ok, mais je prends le volant. Quoi? Non, c'est ma voiture. C'était mon histoire d'aller faire. Allô? C'est pour voir comment un vrai journaliste d'investigation se démerde sur le terrain. Sans avoir ses notes, son appareil et ses grosses couilles pigées. Ah. Je suis grand. La source parle d'expérimentation sur l'eau, ce qui veut dire. Il faut avoir des choses qu'on pique les yeux. Si ça arrive. Moi, je bouge des photos, des grands de secours et au volcan. Ok. Bon, on voit tout le monde. Elles sont longues quand même, les cinématiques. Allez, quoi, vas-y. Mais je te réponds depuis tout à l'heure, tu sais. Ah bon, bah je t'en envoie. Ouais, c'est bizarre, hein. J'ai dit que c'était long, et toi tu m'avais répondu quoi après? J'ai dit bah oui. Bon. Ton contact t'a dit comment entrer? Oui, il y a une carte de sécurité cachée dans une remise quelque part. Très bien, c'est parti. Bah je crois en plus les amis, comme je vous ai dit, la première fois que j'avais joué à ce jeu, je crois que j'ai même pas fait la mission là. Voilà, je crois que j'étais en train de la faire et ça m'a saoulé et puis du coup j'ai arrêté. Comptez sur moi. Du coup, bah là, on est obligé de le faire, évidemment. Hein. Alors. Bon, après, j'avais aussi d'autres jeux, d'autres priorités à faire. J'avais d'autres jeux à faire et tout, du coup, j'étais pas trop motivé de le faire. Je vais pas me faire descendre, ok?
Au son, toi, t'es où? T'en es où, t'as monsieur Zaïzaï, dans l'émission? Je suis au début de la ok. T'as récupéré le truc? Le badge, oui. Ok. Aussi, J'ai entendu un truc. Ah, attendez, je crois qu'il y aura une cinématique. Non, tu non. vois, c'est pas la première fois que je fais ça, tu sais. Je me demande quel temps il fait chez moi en ce moment. Hop. Rancé, ok. Oh merde, maintenant j'ai ça en tête. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. En fait, la première mission là, je l'ai déjà fait, mais sauf c'est après que j'avais arrêté. C'est bon, je me rappelle comment ça va se terminer et tout. Il y a une cinématique et puis après je dois vous dire un truc que je voulais vous dire tout à l'heure mais j'ai pas dit. Cinématique. Quand tu travailles le matin. Hein? Franck, c'est un zombie. Sans deck. Est-ce que ça va? Le psychiatre dit qu'il reste encore du travail. Ah oui c'est bon là je me rappelle. Bon, alors les gars, le truc que je vais vous dire, le personnage qu'on contrôle dans le 4, c'est le même personnage qu'on contrôle dans le 1 et dans le 2. Voilà. C'est le même perso, mais sauf qu'on ne contrôle pas dans le 3 parce que c'est un autre personnage et tout. Mais sinon c'est toujours le même. Voilà. Quelle grosse surprise! T'en es où toi, monsieur Zaïzaï? Je suis prêt. Si on veut. Je suis dans notre couloir, toutes les... Ah, toutes les portes, il y a les zombies qui rentrent quand ils ouvrent une porte, ouais. Là. Ouais, t'es au même endroit. Oh, va falloir faire gaffe, les zombies, t'attaques facile, hein. Tu pourrais pas venir. Bah oui. Allez, prends ça, mon petit, vol. Ah, oh, t'es un copain mort, toi? Ah, tiens, meurs. Oh là. Ah, j'assure toujours autant. Je crois que j'ai quelque chose pour vous. Jetez un œil là-dedans. Où ça? Où? Ah, une nouvelle arme. La matraque. Ah, c'est pas mal, ça. Oh, ça fera l'affaire. Ok. Dernière série. Vous êtes prêts, professeur? Minute! Manger, j'ai pas le temps de dire. Ah ouais, c'est pour se soigner. Ok. Vas-y. Allez, venez, petit, petit. Ouais, super. Oh là là, c'est bien gore. Oh non. Oh, j'ai plus ma matraque. Et bim. Calme au bon vieux temps. Ouais, ils sont tous morts. Je descends. Vic, je te pardonne. C'est beaucoup mieux que le mini-golf. Un peu insensible, vous voyez pas? Ce ne sont que des zombies, Vic! Je sais, c'est juste. C'était des gens normaux. Écoute, c'était eux ou moi. Est-ce qu'on peut poursuivre l'enquête? Ok, ok. Je vous suis.
Ah, ça y est, on est dans le labo. C'est une sorte de laboratoire. Prends des notes. Je vais photographier tout ça. Prenez en photo. Ok. Quand je fais après, je sais non plus. Ah, c'est comme ça. Ok. Je crois que cet équipement sert à stimuler des changements dans le cerveau. Quoi, t'es étudiante en médecine en plus? Non. J'ai juste lu beaucoup de science-fiction. Ils les ont opérés, on dirait. Il existe déjà un vaccin contre le zombisme. Alors à quoi bon? Quoi que ce soit, c'est flippant. Ça fait penser à The Evil Within dans le petit coin là, en fait, où on est. Tu sais, quand tu dois remettre de la vie et tout, là. Les effets du zombisme en cas de morsure. Ah bah oui. Ouais, mais tout le monde est immunisé contre les parasites maintenant. Où est-ce qu'ils ont pu trouver ces zombies, bordel? Écoute, on n'a pas besoin de toutes les réponses. Juste assez pour vendre l'histoire. Allez, on avance. C'est par là, normalement. Il fait trop sombre. Activez le filtre de vision nocturne. De quoi tu parles? Non, j'ai rajouté pas mal de néophytes sur le travail. Ok. Blackburn. Viens, allons-y. Ah, c'est génétique. Comment elle s'appelle la main? Blackburn. Non, elle ne présente aucun symptôme. C'est un sacré progrès. Sinon, pas de changement. Pourquoi vous me faites voir ça? Les fontaines. On n'améliore pas le traitement pour le profil. Ce qu'attend le client. Oh putain, il y a un monde bizarre quand même. Un projet d'une telle envergure nécessite toute une vie de recherche. Les progrès que je vous montre sont... Si vous ne pouvez pas tenir les délais, docteur, nous vous remplacerons. Mettez-la avec les autres. Ben oui, non. Ils font des expériences sur des zombies. Ils les emprisonnent. Et pourquoi faire? Pour les observer. Ça, ça nous crée quelque chose. Merde. Franck. On va arrêter ces ordures, ok? Ouais, on va découvrir ce qui se trame ici, ficher le camp et se faire payer. C'est ça qu'on va faire, c'est tout ce qu'on va faire. Moi, tu nous as toujours pas montré la touche pour courir, hein? Ouais. T'as quelque chose à me dire? Toujours. Oh, si jamais su, j'aurais enfilé un slip. Oh, Franck! C'est répugnant. Ça bête de merde, oui. Merde, il faut un code pour entrer. Vous pouvez deviner le code avec votre analyseur de spectre. Laisse-moi deviner. T'as encore trafiqué mon appareil. Vous êtes un rapide. Elles me disent tout ça. Ok. Ah, cinématique encore. J'ai vu un zombie piquer une crise comme ça. Bon sang, Franck. Regardez-la. Elle souffre. Ouais. Et on va devoir traverser cette chambre pour avancer. Intéressant. Qui veut un zombie flambé? Putain, Franck! Il se passe des choses absolument atroces ici. Et vous trouvez rien de mieux que de faire des vannes? C'est pas très juste. J'ai photographié des trucs et j'ai pensé à... des trucs. Vous n'avez rien à faire de ce qui vous subira, si je n'ose pas. Écoute, on prend que ce pour quoi on est venu et on fiche le camp d'ici. Ok? Ok. Bah. Bon sang. Elle veut pas se faire cramer, la petite zombie de merde. Ah bah, je vais essayer de la faire cramer, non? De tout ça. Elles ont toutes le même visage. Ouais. Votre famille, tu crois? Fermez-la. Ah si, c'est bon. Y'a quelque chose là-dedans. Essayez d'utiliser votre analyseur de spectre. Vous devriez pouvoir voir l'intérieur. C'en est une autre. Qu'est-ce qu'ils font, ces enfoirés? Qui veut une grillade? C'est ce que c'est? Ok. Ouais. Et
résultats de tests ADN. Ils clonent des gens pour faire des expériences sur eux dans le cadre des recherches qu'ils mènent sur les zombies. Ils les emprisonnent. Vicky, cet article va nous valoir tous les prix de la planète. Alors je t'en supplie, je t'en supplie. Il est trop drôle. Reste concentré. Juste le temps qu'on réussisse à sortir ici. Pas question que je parte. Je vais mettre un terme à leurs activités. Quelqu'un pleure. Vic, on a ce qu'il nous faut, on doit partir maintenant. Vic, stop. Qu'est-ce que tu fous? Elle pleure bizarrement, elle. Putain. Touche pour couvrir encore. Faut que je me tire d'ici. Merde, je tiendrai pas. Oh, un plan. Seconde là-dedans. Il y a peut-être un truc que je peux utiliser dans les barrages. Je comprends pas. Ok. Courir maintenant pas. Bah non, on court pas. Oh. Ah ouais. On a fait la masse là. De plus. Oh putain. On va ton nouveau zombie. Mais c'est génial, j'ai en train de détruire tout le monde. Oh la vache. Putain, y'a une mouche qui essaie de me rentrer dans l'œil. Ouais. Oh la vache. Bonjour. Et voilà, vous êtes tous morts. Niveau atteint 2. Rien de dramatique. Et merde. Vous avez gagné un point de compétence. Ok. Il faut encore un code. Oh. Oh. Alors là, c'est, les amis, c'est les points de compétence. Hein, du coup, je pense qu'il faudra prendre celui-là. Ok, j'ai un nouveau monde. C'est un nouveau trophée. Ok. Écoutez bien, ta crétin. Il y en a un truc qui fout le bordel ici, et le commandant sera pas très impressionné si on le laisse faire. Alors fermez-la, préparez-vous et nettoyez la zone. Compris? Oui, chef!
Je peux pas prendre. Attendez les gars, il y a un problème. Je peux même pas prendre l'appareil photo. Ah ok, c'est comme ça. Hop. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Descendez-les! Descendez-les! Par contre, j'ai perdu ma... Oh, ben ça... Désolé. Alors, c'est bon. Ah, ça y est. Pour sprinter. Youpi. En fait, il ne nous dit plus quand c'est la fin, quoi. Pas la voiture. Putain. Non. Non. Vic. 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 Oh, merde. 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 Oh, merde. Oh, merde, merde, merde. Oh, le jeu. On vient, quoi. Ouais, je... Allez, en route pour le mini-golf. Ça veut comme ça le trophée, nickel. Ça j'ai déjà débloqué 3 ou 4 trophées hein, déjà dès le début. Pat s'est barré sans lui, il est tout seul. Ah bah il se fait tirer dessus, va de là il va pouvoir courir. Bon, là, il y a une petite musique de fond, les gars. Bon, vous n'entendez pas parce que j'ai juste baissé le minimum pour pas avoir des droits d'auteur et tout. Cela, ça a l'air l'introduction, peut-être. Mais c'est quand même pas mal, hein, sorte de bande dessinée. Là. Ah, toi Zéisa, t'es en train de découvrir le jeu, toi? Ouais, j'avais fait jusqu'à là. Après, je vais découvrir. Oui. Ah, t'as fait juste l'introduction, quoi? Ouais. Ouais, t'es comme moi, quoi. C'était la démo, en fait, j'avais joué. Ah, ok, démo, ok. Et ça, pendant la démo, tu avais vu ça ou pas? Il te montrait ça ou ça a coupé directement à la fin? Quatre mois plus tard, ok. En fait, c'était l'introduction du jeu, j'ai l'impression. Frank West. Ils sont bien faits quand même, les persos. Je trouve que le jeu est bien fait sur PC. De votre genre. 4 mois plus tard, quelque part dans le Midwest. ZDC est mandaté pour lutter contre les zombies sur le sol américain. Ouais, en enfermant et en faisant taire ceux qui savent la vérité, je suis toujours au courant, merci. Ça recommence à Willamette. Quoi? Une épidémie. J'ai rien vu aux infos, ça dure depuis combien de temps? 6 semaines à présent. Vraiment? Difficile de faire taire toute une ville aussi longtemps. Pas pour eux. Qui ça? Le Pentagone. Oh merde. «
Qu'avez-vous vu là-bas? Vous le savez très bien. Personne ne sait, Franck. Si je l'ai appris, c'est parce que quelqu'un a merdé en me filant un rapport confidentiel. Le camp d'entraînement des réservistes? J'ai encore jamais vu qui que ce soit en poste, là-bas. Les communications de la ville sont coupées dans les deux sens. Les photos satellites ne sont plus à jour depuis 4 mois. Ils veulent étouffer l'affaire. Mais... le plus mystérieux dans tout ça, c'est que pendant tout ce temps-là, vous, Frank West, vous donnez un putain de cours du soir, au lieu d'avoir 2 longueurs d'avance sur moi. J'ai raccroché. Raccroché? Oui, j'ai raccroché. Vous savez dans combien d'épidémies j'ai été impliqué, combien j'en ai couvert et ce que j'ai eu en échange? Que dalle! Pas un merci, pas de fleurs, rien qu'un carnet de contact, rempli de macabées. 2006, le prix national Headliner. Vous avez révélé la première épidémie sur le sol américain, photo à l'appui. Vous avez reçu des médailles, quelques diplômes. À titre honorable. Ouais, et venons-en au fait. 3 semaines plus tard, j'ai tenté de révéler au monde entier l'implication du Pentagone et de tout le gouvernement, mais on m'a démêlé! Parce que vous ne disposiez pas des preuves suffisantes. Accompagnez-moi à Willamette. On va révéler cette histoire. Et là, vous irez jusqu'au bout. Frank. Frank, ça ne concerne pas qu'une ville, l'enjeu est bien plus grand. Sans moi. Si vous levez le voile, vous décrochez le gros lot. Il y a des choses à rattraper. Mais en fait, je suis surpris que vous laissiez une amatrice vous voler cette histoire. De quoi est-ce que vous parlez? Là, c'est bien une de vos élèves, non? Oh. Je crois que... Oups. Vic. Mm. Sacrée équipe que vous avez là. Proche de Willamette. T'as vu quand il monte la photo de lui, le flic? Oui, oui. Ça m'a bien fait rigoler. Envoyez une unité. Capturez les cibles ou tuez-les. Ok. Eh ben dis donc, les cinématiques, hein. Franck! Franck! Quoi? Debout là-dedans! Besoin de cet équipement. Mais retenir? Mais avec quoi? On est là, Franck. On est obligé de continuer avant d'inviter ou pas? Hein? On est obligé de continuer la mission ou avant d'inviter? Je. Ah ouais? Comment s'appelle la mission? Je sais pas, c'est. Peut-être tout ce qu'on puisse jouer en multijoueur. Voyez ce que vous pouvez faire de ça! Pour ça, ils disent de défendre d'autres là.
J'ai besoin de vous, Franck. Pour le moment, il nous a pas dit de... qu'on peut jouer au coop. À mon avis, il faut terminer la mission là, je pense. Tirons-nous d'ici. Allez! Ah, Paya Brad. Bon, il faut un abri. Cet hôtel m'a l'air bien. Trois étoiles au mieux. Vous faites toujours l'andouille ? J'ai intérêt à bien inspecter l'endroit. Bien, retrouvez-moi à l'hôtel. Oh la vache. Bah pour le moment ils disent rien, du coup je pense qu'il faut terminer la mission là, je pense. Ouais, je pense. Même si l'hôtel m'a l'air bien. Non, les gars, moi je me concentre juste des quêtes principales pour le moment. Allez, hop, toi tu meurs. Moi j'ai les gants de... Comment il s'appelle, de Thanos. Non, sérieux? Ah, ouais. Comment t'as fait pour les savoir? En gros, j'ai des mecs qui... Aidez-moi, machin et tout. Ah, et puis tu l'as après? Le gars en bleu, ouais. Ah, ok. Donc, j'ai tué tous les zombies autour de lui. Bah, il m'a acheté les gants par terre. Ouais, bon, c'est pas grave, moi je vais pas... Reste une chambre avec deux lits. Oh, vous êtes fandard. Vous savez. Oh, t'es chiant, il court pas, il peut pas sprinter le perso. Si, c'est. R1 d'ici, je me trompe. Ce bordel a commencé pendant le Black Friday, le lendemain des grandes soldes pour l'ouverture. C'est R1 pour courir. Depuis même pas un jour qu'on les zombies. Oh, y'a un vélo pour entrer. Y'a quoi? Y'a super con, ouais. Y'a un vélo pour entrer. En gros, tu roules. J'essaie de la défoncer depuis un bon moment. Je te jure. Je suis en train de le faire. Ok. C'est n'importe quoi. Oh, oh, on a des ennuis. Couvrez-moi pendant que j'ouvre cette porte. T'as entendu, hein, oui. Couvrez-moi. Tu mets soldat. Ah, c'est lui. Ouais. Prends ça, sale fasciste. Entrée principale, couvrez-moi. Bon les gars, je pense qu'il faut tuer, je pense qu'il faut terminer la mission là, je pense. Ah, je sais pas par où il faut aller, mais j'y vais. Faut aller à l'hôtel. Quoi? Oh mais c'est facile pour escalader des trucs. On escalade facile. Allez. Par contre, je voudrais bien me soigner. Il y a un fauteuil pour handicapé. C'est fait. Pile au bon moment.
Il y a plein de zombies. Oh oui, il y a plein de zombies. Génial, vraiment. Comment on fait pour le rejoindre? Parce que la grille, elle est... Voilà. Oh, génial. Mais... C'est un erreur, non? Parce qu'il faut pas passer où il y a des escaliers, normalement. Il y a des escaliers pour aller à l'hôtel. Enchaînement que j'ai en train de lui faire. Allez, niveau 3. Putain, j'en ai déjà ras-le-bol de cet endroit. Ok. Allez, on y va. La vache que j'aurais. Oh merde, c'était un vrai connard, Ted, mais tu méritais pas ça. Je m'appelle Connor, vous faites. Bien, enchanté. J'enquête sur cette épidémie. Des clés de casier. Je sais que ces enculés de soldats gardaient un truc super secret près de l'entrée principale de la galerie. Mais il y avait une journaliste. Quelle journaliste? Elle avait un nom de mec. Je sais plus. Alors. Vic, elle est où maintenant? J'arrive à trouver le chemin. Je monte où il y a le feu sur le clam. Ah non, c'est un bon plan. Mais j'y vais seul. Quoi? Écoutez, cette épidémie est très certainement une sorte de test. Et il doit être organisé par ces enfoirés de soldats. Je dois découvrir pourquoi. Mais j'y arriverai pas si un poulet me tient en laisse. Je dis pas ça. Bon, d'accord. Cool. Je vais aller en ville et m'intéresser. C'est pas ça. Ah oui, j'ai trouvé. C'est une merde, c'est. Ok, si j'en ai le temps. Non, vous allez péter, les gars. Il y a une milice qui se forme à West Ridge. Ça c'est cool, fouiller. A plus. Bonne chance, ouais. Shaker. Shaker. J'ai eu du bois. Ouais. Encore une fois, un bon scoop bien joué. Shaker. Oh. Vêtements. Oui. Moi, je peux te mettre moi. Ah, je crois que j'ai des nuits en la plan. Qu'est-ce que c'est? Couronne. Et j'ai pas vu. Comment je fais pour les planches, je sais même plus. Il y a tellement de touches. Oh, un zombie. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Putain, alors. Non, pas ça. Ah ok, prends ça. Oui. Mange le bon. Il faut que j'aille dehors, c'est ça. Des gang boss, franchement, c'est trop bien. Bien sûr. Mais j'ai l'impression que ça joue à 1. Hein. Les histoires. C'est quoi ça? C'est terminé? Un plan. Oh, je fais une course. On y va. Mais je fais une course de karting. N'importe quoi ce jeu. Mesdames et messieurs, démarrez votre moteur. Oh là là.
Je sais pas si je vais avoir le temps de finir la course, les gars. C'est énormément, c'est loin. Dans la voiture de tête, Frank West, un photographe adulé et un type fantastique. Wouhouhou! Et voilà. Oh, tu débloques un caddie maintenant. C'est quoi ce jeu? C'est du grand n'importe quoi ce jeu. Prends ça, Zay. Ah. Ouais, c'est trop bien. Par contre, ce serait bien qu'on débloque pour jouer en multijoueur, quoi. Bah ouais, en coop. Parce que là, j'ai pas l'impression que ça joue en coop. Hein. Mais si. Si. J'aime bien le youtubeur le faire, quoi. Bon, Connor dit qu'il y a mais ouais, mais ils ont pas fait le mode d'histoire. Je vais découvrir ce qu'elle sait. Après, je la ferai dégager de cette ville à coups de pied dans le cul. Ok, ok. C'est quoi le problème? Nom de Dieu! Ah, des zombies maintenant, il y a... Non, il faut ça l'objectif, les gars. Bande de malades! J'ai perdu beaucoup de vie parce que j'en ai plus beaucoup. Ouais, évidemment. Évidemment. Voilà. Oh, zombie. Bonjour, bonjour, bonjour. Quoi? Bonjour, bonjour. Voilà, comme ça je récupère toute la vie. Ouais, faut vraiment terminer ce coin là en fait. Hein. Enfin, vous savez quoi les amis, dès qu'on a débloqué pour jouer en coop, on s'arrêtera là pour le premier épisode. Au moins comme ça, vous savez que le premier épisode c'est tout le prologue. Et quand on reprendra, bah, ça veut dire qu'on pourra jouer en coop. Hein. Ça sera déjà pas mal. Cinématique. Oula, c'est cool ça. Ok. Hop, toi t'es mort. C'est une cour maintenant, les zombies. La zombification prenait des jours. C'est quoi ce bordel? Ah,
Armure d'urgence, nettoyer pour débrouiller des marchands, nanana, ok. Ok. Ça fusil à pompe, ouais. Bonjour. Zayzay, t'es toujours là? Oh ouais, je l'en. Ok. Ça sent vraiment pas bon là-dedans. J'espère que c'est pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous les avez tous tués? Vous êtes là depuis longtemps? Vous avez pas vu une journaliste appelée Vic? Oh, si. Si, elle s'est planquée ici pendant un moment. Elle a laissé des affaires. Je vous dois une fière chandelle. Je dirigeais une boutique ici jusqu'à ce moment. J'ai l'épée de... d'Escarnibur. Ouais, on se croirait dans le Dying Light. Oh purée. Bon bah je prends l'épée hein. Bien sûr. Pas à faire le plein. C'est l'écriture de Vic sur le mur. Ça doit être là. Alors. Trop loin. Ok. Sympa. Pas terrible. Ok. Merde, elle est pas venue depuis des semaines. Peut-être avec un de ses filtres. Bon, pourquoi je vois rien? Ah, ok. L'entrée principale. Il faut le mot de passe. Ok. Alors le mot de passe... j'ai encore trouvé une clé. Faut que je trouve un mot de passe. Regardez-moi ça. Ouais, ouais. C'est du matériel militaire. On dirait que Vic s'en servait pour transférer des rapports. Donc, l'épidémie a débuté à l'entrée principale de la galerie. Et d'après Connor, les paramilitaires gardaient l'entrée. Je vais devoir aller voir ça de plus près. Par contre, j'ai gagné une clé. J'ai gagné une clé, mais je sais pas où je peux la mettre où la clé du coup.
Ouais, la masse. Alors, pareil, survivante. T'en es où, toi, Zézé? Si vous allez à la porte principale, passez par le parking et allez jusqu'à Medieval Town. Les autres chemins là, je suis en train de. Tu es des zombies dans un magasin. Je vais vers la flèche jaune. J'essaie de sortir du centre commercial. Voilà. Ah, ok. C'est noté. C'est un article brisé. Acheter une carte. Ok. Allez, au Medieval Town. Putain, t'as encore pas fini en fait, hein, le didacticiel, j'ai l'impression. Attends, il y a de la santé ça ou pas? Yes. Vas-y, je reprends. Oula! Ça se présente plutôt mal. Je suis un zombie. Putain la vache, les zombies ils rigolent pas eux hein. Je coupe la tête, bim. Qui est pourri. Ah ouais? Ouais. Je préfère la mitraillette. Quelque chose qui pourrait vous intéresser. Hein? Ouais, je crois que je l'ai vu faire. Avec les zombies. J'ai trouvé le premier. Je vais bouger. Ok, wow, j'ai niveau 7. Wesh le zombie enragé, wesh les patates qui donnent. Ces pourritures de paramilitaires ne sont qu'une pièce du puzzle. Ah t'es dans le petit couloir là. Qui a fait le coup. Et ouais. Putain le. Oh le truc comment il l'a tapé. Eh bien, peut-être que je vais. Allons fous-y. Frank West, pourquoi pas, n'est pas qu'une question de gros sous. Ah, il manquait plus de ça. Il y a un mois environ. Merde. Il y a beaucoup d'avance sur c'est moi. Quoi, ça. Je vais essayer d'en trouver un autre. Okay. Putain, mais j'aurais pas trouvé des clés moi. Bonjour les zombies. On est dans un abri d'urgence, faut tuer tous les néo-infectés, c'est ça. Si ça marche. Ah. Salut les gars. Je sais pas quoi là.
Bah oui, ils sont cheatés. Oh, un coup de fusil à pompe dans ta... Mais... Ce truc est merdique. C'est bon, là, ils sont morts, non? Oh, oh. Oh la vache. Puis moi j'aime bien, j'ai des compétences, j'ai les mêmes pour eux. Bah tu sais que je suis niveau 7 et j'ai toujours rien. Bah pareil. Faut que j'aille où? Bah tu mourras. C'est ton destin. Bonjour tout le monde. Mara, non c'est quoi? Maniaque. Ok. Ah oh, c'est un boss ça. L'association historique des faces de cul était en ville. Qu'est-ce que vous venez de me dire? J'ai un sabre laser. Sandra est aussi consanguine qu'elle en a l'air. Putain, la vache. Tout à fait mon type de femme. Ça va se payer. Attends, t'es là. Avant, je vais mettre mes points de compétences parce que là, à mon avis, ça va nécessiter de partir en cacahuète. Attends. Ok, je suis obligé de prendre... Ah non, c'est bon. Ça c'est quoi? Ou ça c'est pour la vie ça? Yes. Il en monte encore un pour un bagarre, je pense. Voilà. Ok. Ta mère était une mienne et ton père sentait des trous de bras. Hey, ouvrez! Je vais aller donner une leçon, vieux con! Hey, bûcheron en fer blanc, c'est pas moi le méchant dans l'histoire. C'est du gros n'importe quoi comme ce jeu. Allez, dégage. Ah, je suis trompé chemin en plus. Ah non, t'es obligé de passer par là. Ok. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Vous êtes pas un peu trop vieux pour vous déguiser? Ok, je veux seulement passer. Vous êtes barges, les gars. Oh purée, je suis obligé de les tuer, c'est ça? Fais ta prière! Faut que tu avances, je vais faire ma prière à toi. Mais j'arrête pas de tuer, allez toucher! Ah oui, c'est... Putain... Je vais tomber.
Ah bah c'est pas trop tôt que tu meurs, toi. Je vais te couper en rondelle. Ah bah ouais. Je suis censé être intimidé par des tarés comme vous. Parce que je le suis un peu. Ah, faut que je baisse Sandra. Ok. Ouah. Ça, c'est un boss, quoi. Oh putain, en plus, il court vite. Oh. Vas-y, j'ai esquivé, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Oh vas-y, 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 j'ai perdu. Je vais paumer les gars, c'est sûr. Mais esquive! Oh, ça commence à me gaver, je... Il n'y a rien pour nous défendre, il n'y a rien. Ouais, c'est si tu veux. C'est notre territoire. Mais avance, Béraud. Ouais, bah là, les gars, franchement, honnêtement, je sais pas comment je vais pouvoir réussir à passer. Hein. Je vais m'amuser à te regarder crever. Ouais, bah si tu veux. J'ai les drifts de Wolverine maintenant. Ah, comment on fait les roulades? C'est t'as plus deux fois sur la touche pour courir. Ah, toi t'as fait le combat proche. Hein? Bah, j'ai en train de battre Sandra, mais j'arrive pas à la toucher. J'ai écrit combat proche. Ouais. À mon avis, t'as été au truc bleu. Non, c'est les trucs de la mission. Ah, y'a combien de trucs? Ça, y'a pas le flingue d'ici. Oh! Un sabre! Oh non, j'ai pas pu le prendre. Oh, oh purée, je vais mourir. Oh non, c'est pas possible. Vas-y. Le sabre, tu l'as trouvé dans un magasin? Ouais, je l'ai acheté. Oh, ça y est, je commence plus à avoir de vie comme ça. Oh yes. J'ai le sabre. Je sais pas si ça va me servir à grand chose, mais... T'arrives, toi, Zayzay? Pas pour l'instant, j'y arrive, ouais. Génial! Ah, vas-y. Oh, t'es toi. Ah bah, je crois pas que ça va beaucoup m'aider, ça, mais pourquoi pas. Oh,
Non, excusez-moi les gars, si c'est long. Oh yes, un flingue. Oh putain. Elle m'a bloqué. Implore la pitié, allez. Vas-y, moi qui ai de la vie, s'il te plaît, là-haut. Dis-moi, j'en ai encore. Yes. Oh putain, vas-y, y'a plus grand chose là. Oh, ça va être long. Oh bah super, je me suis mis dans un coin. Oula, il se passe quoi, je veux la frite, je crois. Ah ouais? Oh non. Ouais, ah non, c'est bon. Moi j'ai cru qu'il avait freeze le jeu. T'arrives toi? Hein? Tu les as battus? Ah non, mon écran il s'est éteint. Le jeu il s'est enlevé, putain. Ah ouais? Voilà, ouais. Ah, mon PC il est bouillant, frère. Oh. J'essaie de relancer le jeu, je comprends pas pourquoi il s'est... En espérant que ça aille sauvegarder, du coup. Parce que... Putain. Quand je tue trop de zombies, genre, tu sais, avec une voiture d'affilée, ça fait bugger le PC. Mmh. Mais moi j'arrive même pas à le tuer. Ça, je vais mettre le ranchis. Les gars, j'arrive même pas. Je vais pas frapper. Mais pourquoi il prend une chaise, lui? Mais oui. Oh là là. Il est bien le jeu, mais... Je sais pas, je l'arrête pas. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non. Allez. Tu m'as indiqué. Oh vas-y si tu veux. Attends. Par contre je vais juste voir un truc. Tu m'entends? Ouais je t'entends là. Là je te parle. Ah ouais? Ouais. J'ai dit un peu de... Ah ouais? Ouais, je vais essayer de t'inviter. Quand tout de suite là? Ouais. Oh putain. Lui on a la paire 1. On n'est plus à l'affaire 0. Bah pourquoi on n'a pas eu le truc pour dire qu'on pouvait inviter? Parce qu'ils disent rien. Non, bah tu sais quoi, le multijoueur c'est des missions à part. Bah tu vois, je t'avais dit. Bah ouais, mais c'est bizarre. Du coup c'est bien un jeu en solo, le mode histoire. Ouais. Ouais tant pis, bah on fait quand même comme ça ou pas? Ouais on va faire le solo quand même, il faut bien qu'on le fasse. Non mais en vocal comme ça.
Ah ok. Ouais, comme ça tu diras ton avis aussi sur le jeu. Oui, t'inquiète. Tu crois que ça vaut la peine de mourir pour ça, pour ça? Bon bah ça y est, il meurt enfin lui. Une apocalypse s'il y avait pas quelques barjots. T'es un boss? Ouais, ouais. Mais t'es si dur que ça à faire? Oh bah j'avais rien, j'essayais de me barrer, il me courait après. J'essayais de me soigner, bah il n'y avait pas beaucoup de soins et c'était chaud. Mais là je réussis. Bon bah du coup les gars, c'est pas grave, hein, on va faire quand même le jeu. Sauf voilà, ça va être deux avis différents. Tiens. Vous je suis en live, vous qui en vidéo, il toque comme ça. Ouais. Du coup voilà quoi. On va jusqu'au point de contrôle et puis après on. Après j'irai manger. Alors est-ce que je peux passer par là ou pas? Alors, point de contrôle. Je vais mettre quoi? Je vais mettre ça. Ok. Ouais, c'est con, ils ont pas pu s'indiquer que ça en fait. Bah ouais. Bah après, on pourra quand même les faire les épisodes en multi, hein. Pour le fun. Ah, c'est des épisodes en plus? Tout est normal. Ouais, ouais. Il y a des missions quand même, mais c'est pas avec le personnage. On choisit un personnage parmi 5 personnages. Ouais. Et puis après, il y a des missions à faire. Ouais, bah on fera ça après notre histoire. Comme ça, au moins, ils auront l'histoire plus le multijoueur, quoi. Oh, il se passe un truc énorme. Nettoyer la zone. Ok. Bon, je vais jusqu'au point de contrôle, les gars, ou point de sauvegarde. Et le premier épisode sera fini ici. Et puis, je pense que après mon manger, je tournerai. La suite, hein, évidemment. Là, t'as pas encore mangé, du coup? Non. Oh, purée. Ah ouais, mais c'est chaud! Vous faire un temps mort! Juste un instant! Tant qu'il sort contre moi, la tortue! Wouah, c'est chaud! Allez, bim! Mais ta vie! Oh là là! Comment tu fais pour te mettre à l'abri? Comment ça? Bah, te mettre à la coupie. T'appuies sur l'analogue de gauche. Ah, ok. Merci. J'ai plus rien. Tu veux que je fasse comment pour gagner? Ok. Ah
peur. Poche. Ah mais ouais, mais bon. Ça m'aide pas ça. J'ai pas de base, j'ai plus de base, j'ai plus rien. Faut les économiser tes balles. Très drôle. Tu verras quand tu seras au passage où je suis, tu comprendras. Attends, j'ai mis mon temps de compétence ou pas? Je sais même plus. Voilà si j'en ai mis. Bonjour toi. Ah merde. Ah je suis con, j'ai des grenades. Ça dans ta tronche, toi aussi tu crames. Voilà, ça va mieux comme ça. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, je parie que j'ai tué tous ceux qui connaissaient le code d'accès. Non, c'est voilà, comme ça. J'en reviens pas de l'utilité de ce filtre. Ah, clavier. Ah non, c'est pas. Ah non, c'est pour ce bot. Oh, un plan. D'accord. Ah, on a encore un trophée. Nickel. Titre de soin, ça je prends. Ah bah point de sauvegarde atteint. Du coup les gars, on va s'arrêter là. Et du coup voilà, on va reprendre aussi dans le prochain épisode. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis je pense que je tournerai après manger un autre épisode, comme ça au moins vous aurez deux épisodes d'ici. Du coup je te dis à tout à l'heure monsieur Zaïzaï. Vas-y, à tout à l'heure. Allez. Salut tout le monde, bye bye.